Il y avait un tonton dans le quartier qui avait cannabis. Tous les enfants du quartier. John, d'après toi, sur nous six, malgré les forts coups de fouet, avec les personnages qu'on a eu, on a quand même un peu rappelé les personnes. C'était 7, non? Oui, 7. Au 8e, ma part qui était dans la chambre. Oui. Il est venu un jour pour casser. Maman, c'est moi. Tante! Il avait peur! Il a pris mes chaussures, ça me fait dans l'eau. Il dormait, hein? Quand il est fâché contre toi, il regarde ce qui te plaît le plus. Il détruit. Il détruit. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il a les nerfs. Il regarde ce qui te tient le plus à cœur. Il a bas. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Et tu dis, donc c'est un peu ça. Donc c'est là où j'ai grandi qui a fait en sorte que ce truc soit ainsi. Là-bas, c'était pas que tu vas parler, tu vas parler à qui. Ça va rien changer. C'était que la chicotte. Et moi, maintenant, on nous, nous déjà habitués à la chicotte. Déjà qu'on part, on fait, on sait qu'on va appeler, on va battre. On va flotter. On va flotter. Après, on a compris que ça valait plus la peine de désobéir. Mais sur les enfants qui sont pas prêts, comme les enfants prêts dans la baie ici. Ils ne sont pas trop en contact avec les gens de l'extérieur. Donc vous parlez, ils écoutent et autres. Ce n'est pas vraiment de leur côté parce qu'ils ne vont pas te faire les comportements comme moi, ils faisaient. Quand tu faisais les enfants de la baie, c'était encore en langue, ils ne sont pas venus comme maintenant. De nouveau, les enfants sont plus à la maison, sur le téléphone, devant les télévisions et autres. Les tablettes, le ballon. Avant, il n'y avait pas la télé. Avant, il n'y avait rien. Tu te ramassais le bois pour aller chez le français. Oui. Avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas. Donc, voilà pourquoi il fallait vraiment être violent avec les enfants pour pouvoir les. Les petits stages du quartier, on était toujours là pour jouer. Oui, on voyait le ballon le dimanche de 10h. Il y avait un tonton dans le quartier qui avait. Tous les enfants du quartier. On fait le corps pour aller. On est le premier dans le toit. On fuyait le corps pour aller que là-bas. Jusqu'à votre père venait me faire sortir du champ à midi. Puis il dit que viens m'accompagner quelque part. Il arrive à vous et dit que sors ton fils que tu l'éduques mal là-bas dans la maison. Va le faire sortir. Non, c'est moi. Quand l'enfant a de l'éducation, c'est pour la mère. Oui, c'est pour la mère. Elle réussit le don. C'est ça qui me tensionnait. C'est là alors que les choses encore sont mentées encore. John, d'après toi, sur nous six, malgré les forts coups de fouet avec les personnages qu'on a eu, on a quand même un peu raté l'éducation de qui. Ce que moi je peux dire, c'est que côté éducation, on a tous le même fond. Même si quelqu'un parmi nous qui fait quelque chose qui n'entre pas dans l'éducation qu'on nous a donné, maintenant il sait que ce qu'il fait là n'est pas bien, mais il fait pas mal. Parce que sinon, quand nous-mêmes on s'assoit souvent, on fait des discussions, on a presque toujours le même point de vue sur beaucoup de sujets. On a presque toujours la même façon de voir les choses. Maintenant, chacun a son comportement, chacun a sa particularité en fait. Tous les enfants ne sont pas pareils. Chacun a sa particularité. Mais dans le fond, côté éducation, moi je pense qu'on a tous la même éducation. Par contre, toi tu étais beaucoup têtu. Beaucoup. Essaye de le premier. Mais
Sinon, je pense que tu dis ça parce que tu n'as pas connu, tu vas pas connu quand tu étais encore jeune. Oui, peut-être. Voilà. Donc j'y vais comme un féminin pour toi. Non, mais tu t'es tué vraiment. Le père ne parlait plus. C'est parce qu'il n'était pas du même avis avec le père quand il faisait cette tue. Tu vois un peu. Il corrigeait le père dans les normes. C'est que j'ai. J'avais. Si. Le père me l'éduquait. Alors que. Sans ma façon de faire, sans ma façon, si je ne le ralentissais pas. Oui. Il frappait sur le père. Ah bon, alors que quand moi je devais réagir, maman disait que non, c'est ton père, c'est ton père, c'est ton père, ne fais pas de ton père, ne fais pas non, ça. Non, quand il voulait, je dis que ne tente même pas, c'est ton père. Mm-hmm. Et quelle qu'en soit la gravité oui. des problèmes. C'est que maman me disait tout le temps. Mm-hmm. Parce que tu vois, quand tout le temps on te fait là, parfois Il faut laisser. Le père cassait comme il avait cassé les écrans. C'était 7, non? Oui, 7. Au 8e, ma part qui était dans la chambre. Chambre, oui. Il est venu un jour pour casser Maman Célèbre. Tante! Il avait porté la masse de 12 kilos là. T'as chum, je dois casser ça. Papa, tante! C'est que ta masse là-bas, il est venu sorti que. Il a vu sa masse tranquille. Il est à plus costaud que lui. Massagerie, le jeu là. Quand il parle ça, Et depuis le jour là, il n'avait plus jamais. Il n'avait plus jamais juste. Ah. Il n'a jamais eu. Jusqu'à la dernière minute, quand sa tête n'allait plus là. Oui. Ouais, Seigneur Jésus. Donc en fait, Dieu, c'est pas que j'étais le but têtu. Parce que tu sais que être têtu à un enfant, c'est parfois la compagnie. Mmh. Et c'est ce qui affectait beaucoup le grand frère. Mmh. La compagnie, la mauvaise compagnie. Or, moi, je n'avais pas de compagnie. Mmh. Moi, j'étais du genre à évoluer seul. Donc quand je viens à la maison poser un acte, c'est que c'est moi-même. Donc ça saute de mon cœur. Donc je n'étais pas du genre à être dérouté, mais j'étais du genre à dérouter plutôt. Un jour, il avait pris les pointinini. Les pointinini, quand ça chauffait de son ami intime. Pour aller à la fête. Le 20 mai. Pour aller fêter. Et après, avec les pointinini. Elle va vous acheter un tacon. Il a bien nettoyé, déposé. Le père, il prend ça. Il l'a mis dans le ventre. Marie, ça rougit. Elle dit que merde. Non, je dis que non. Il l'a gercé. Après, il dit que merde. Il va venir, il tire le courant. Marie, le père entrait dans sa maison. Quand Marie pleurait, il mettait sa musique à haute voix. Il attrape le courant. Nous allons dormir dans le noir. Le père veut t'éduquer, c'est toi qui l'éduques. Non, regarde. Oui. Je passais mes venues avec le père. Mmh. Et jusqu'à la dernière minute, j'étais plus intime avec le père. Jusqu'à quand il y avait les chantiers, c'est moi qui cherchais mes amis pour venir travailler avec lui. Mmh. Et c'est lui qui me demandait de conseiller mes amis. Quand il y a un problème, je venais vers lui, je l'expliquais. Donc j'étais un peu devenu comme son confident. Mmh. Oui, parce qu'il me mettait là comme son bras droit. Mmh. Mais je me rends compte que, il passe son temps à me corriger. Mais imagine-toi que je demande la chaussure pointine. On n'avait pas de problème. Et que je n'avais aucun problème avec lui. Juste qu'il est rentré avec les nez, il a pris ma chaussure. Il a trempé dans l'eau. Il a pris la calculatrice. Il a pris ma chaussure, trempé dans l'eau. Il dormait. En fait, le père avait ce complexe là que. C'est le joueur avec le nez boursier. Le père avait ce complexe.
que tu voulais. Tu sais pas ça. Yes. Hein. Tu as voulu. Le, en fait, le père avait ce complexe que quand il est fâché contre toi, il regarde ce qui te plaît le plus. Il détruit. Il détruit. Non, c'est même pas non, c'est pas il a les nerfs. Donc il a les nerfs. Il regarde ce qui te tient le plus à cœur. Il la bat. Et après, c'est vous dire, il était à deux jours. Il sait que lui, il aimait. C'est un scientifique. Ça venait de sortir. Il aimait ça. Il a fait de doigts avec que sa grande soeur comme madame. Et en donnant qu'il a les archives que j'ai, comme je fais ensemble, je donne votre part dans les seaux, dans les tignes. Vous gardez, vous décortiquez, sa part. Lier ça correctement, enlever la peau, mettre dans la bouteille, me donner de donner à ma grande soeur quand elle partait à droite la peau. Dans sa maison, je jette. Il avait écrit de mettre la peau dans la tête. Oui, oui. Il n'a pas composé avec Tu vois, au milieu. La garçon des capsules. Maman, je vais te soumettre. Maman, continue, vas-y. Oui. Il est sur la main. Oh, il a son palais du pays. Il ne faut pas qu'il se retourne dans sa tombe. Mais c'est non, tel que je le connais. Tel que le connais. Pour des souvenirs pareils, je ne pense pas que, quel que soit l'individu qui soit, qu'il puisse être même un peu en colère parce que cela prouve à quel point vous pensez à lui. Je sais qu'il est là. Nombreux sont là qui. On les a oubliés depuis, jusqu'à quand on ne parle plus d'eux. C'est une joie de croire que, de savoir que. Mais, Dieu peut te dire, nous, quand on reste, on parle que du Père. Quelqu'un nous descend là, il commence à faire comme le Père quand il avait saoulé. Ça veut dire qu'à chaque fois, on pense à lui. D'accord. Et c'est une joie. C'est vraiment une joie. Je sais qu'il est là. Quand on parle de lui, je sais qu'il est là. Une joie. Et lui, c'est que quoi? Lui, il aimait, s'il était parmi nous, ce n'était même pas à nous de lever le sujet. C'était à lui. Il a donné même à des âmes. Oui. Il lève le sujet en route que l'enfant s'y connaît. Il veut me taper. L'enfant s'y que je veux casser la télé, il m'arrête lui. Il m'arrête lui. Que vous le voyez comme ça, là, je vois là, tout. Hein. Donc devant les gens. Oui, oui, donc oui. Il parle d'une manière à animer. Oui. Tu vois, il est fier. Il est fier. Que tu sois grand. Il est fier. Tu avais une question. Voilà, une question. Une petite fille, ne boit pas la vie. Tiens, alors, une petite fille ici. Quand tu es grandi, devant tes frères, tu es grandi. Je suis toujours petite. Bon, comme je vous l'ai dit, vous pensez quoi? Bon, je vais prendre une situation. Tu as un fils, un garçon, qui rentre à la maison tout le temps avec une amie fine. Une amie! J'aime les balles jusqu'à. Une amie. Est-ce que vous pensez que ça peut réellement exister? Qu'un homme soit vraiment amené avec une femme sans ambiguïté. Ça veut dire c'est un wubi. Non, il n'y a pas de wubi qui tient. Non, un homme. Il n'y a pas de wubi. Tu as rien contre toi, un wubi. Tu as ta besta. Non, on n'a pas. Ah non, à son âge, non. Merci, ma. Oh, bon, vas-y, Ma chérie, je ne peux pas être ami avec une fille, jamais. Je suis une garçon viril. Je suis viril. Bon, moi, d'abord, moi, je suis pas là, trop amitié. C'est un cri de mon dans mon coin. Je suis pas trop amitié. Maintenant, encore aller encore avec une fille. Est-ce que tu sais que quand il était petit, il y avait une copine, c'est Clarisse, Emma était là. Emma était parce que la femme là gratte Emma jusqu'au verre. Ah, mais Chris. Quel Lucrèce encore? Mets Lucrèce de côté. C'est l'enfant de Paul. Je dis même pas Lucrèce, l'enfant de César, la copine de Trésor. Carole. Voilà, Carole vient à la maison. Elle se place devant la porte. Emma, la porte doit elle se placer. Emma est dans la chambre d'Eric. Marou, c'est dans la chambre, à la fenêtre. Dans la maison d'en haut. Trésor est là-bas, elle a les habits sur la pierre. Oui. Je suis là au champ.
je coupe la lesion, comment on coupe avant de fermer. Je passe la journée à couper, en sachant que les enfants vont rentrer fermés. Les enfants rentrent, ils me saluent. Je dis que ok, mangez vite pour me retrouver au chat. Il reste 10 minutes, je ne vois personne. 20, je ne vois. 30, je ne vois. Qu'est-ce que je dis? Les enfants font quoi à la maison? Je monte, Nayo. Je viens, la bonne dame. Avec son pied devant la porte comme ça. Quand tu voulais passer, elle enlevait. Je rentre, je sors du sac, je viens pour entrer. Elle enlève. J'entre, je tourne, je ressouche. Elle enlève, j'entre, elle remet. Je tourne dans la chambre, je vais sortir, elle enlève. Je passe. Elle est là, elle répond à Marus. Elle répond à Emma dans la chambre. Elle répond à Marus à la fenêtre. Elle répond à Trésor, elle est en train de laver les habits, de laver sa télé. Je pars encore au champ, je reviens, tu vois, chérie. Il n'y a rien à faire. Alors, à la maison, tu n'as rien à faire. Ma chérie, mais les travaux sont au champ pour ta maison. Là, tu es là, tu es avec moi. Tu es avec Marus. Tu es avec Trésor. Tu es l'ami de qui? Désormais, si tu tires ton oiseau, il tombe dans mon champ. Oublie, ne passe pas. Comme votre route descend à côté de mon champ. Si tu as besoin d'eau, si tu as envie de boire de l'eau, dis à tes amis de venir te donner de l'eau. Mais passe devant la cour, parce qu'il va cramer, tu dois couper tes pieds. C'est comme ça. Bon, et attends, toi-même, tu n'avais pas compris quoi. Ta copine moi, aussi. Bon, à ce moment, elle ne sait pas si elle avait compris ou pas. Toi-même, tu n'avais pas compris quoi. Elle me dit que on doit te tuer un jour. Tu dis que quand on me tue. Trésor, c'était une femme. Trésor, c'était une femme. Voilà, c'est ça que je reprends, que tu n'avais pas compris. Le prétexte de parler même à Trésor, c'était même plutôt pour attirer vos attentions. Maintenant, elle ne savait pas lequel des deux choisit. Elle voulait que le premier choisisse. Oui, elle s'en bat les formes de la personne. On a vu la casse. Bon, est-ce que vous savez que je suis quitté de Banjoun, de Toba? Du quartier. Sorti ma Asia. Je suis sorti de Toba, notre quartier, sans jamais sortir avec une fille. Ou amener une fille à la maison. Maman, depuis que je suis. Avant que tu sois à la maison, est-ce même une fille avec une fille? Est-ce même une fille, elle aime bien la maison, même au quartier? Bon, Carole venait faire quoi à la maison? Le problème c'est que moi, n'avais même pas. Même ma petite soeur Suzanne avait ses copines, non? Mais elle ne voulait pas. Non, tu sais que le même au quartier, même, il n'y avait même pas que. Attends que Gabi est sortie avec. On a même vu Gabi avec une telle fille, non? Celle-là était à la maison juste parce que leur chambre, leur route passait à côté. Donc elle passait comme Gabi, elle venait boire de l'eau. Et elle a vu ses beaux gosses. Tu étais le premier. Mais le premier. Nous, maman nous attendait qu'on vienne la retrouver au champ. Même 15-20 minutes, elle tolérait. Mais toi, quand ça dépassait, il y a 2 minutes, c'est le fouet qui venait de la. Le fuit d'eau de ressources. Non, tu vas de nous. Non, même pas ça. Je suis au niveau des filles. Non, lui, il a mal parce qu'on permettait même. Je dis que moi. Les femmes n'ont pas dit que. Pourquoi lui? Maman, il dit même l'amitié garçon, là, on peut tuer, mais il vient de voir. Au cas où tu t'en fais en tant que mon nom, c'est que soit j'ai joué un bon match de football, ou bien sorti premier de ma classe à l'école. À part ça, il n'y avait pas de. On a vu Gabriel avec une copine. Celle-ci avait une copine qui est venue, tu venais la chercher. Maman, on parle de l'amitié fille garçon. Quand même, la fille là est aujourd'hui, je ne sais pas si. La voix qui l'a. Ma belle. Elle était la fille du pasteur. Du pasteur de l'église. Leur maison était collée sur la barrière de l'école. Elle sort de l'école avec celle-ci, elle lance son sac dans la maison. Mais ça passait par la. On passait la même heure là-bas avant de venir à la maison. Bon, elle venait faire quoi? Elle prend le récipient, elle descend, elle laisse elle garde le récipient à l'eau. Elle garde le récipient. Elle vient avec sa copine, elle descend au champ, elle me salue. Elle monte en haut du voyage. On se la nana aussi. Dans le champ, on tourne. Le travail que j'ai laissé à la fille, je le fais. Après, elle dit que je m'en vais accompagner ma copine. Elle part encore. Elle joue, elle danse. La nuit tombée, elle vient.
Prochainement, elle est venue comme ça deux fois ou troisième fois. J'ai dit que ma chérie, si tu vises ton oiseau, ton dommage. Donc, même ne passe plus jamais. Donc, maman, tu penses que. Deux années après, elle avait porté la grossesse. Elle était à 12 ans, étant toujours en primaire. Maman, tu penses que bon, tu penses qu'elle venait à la maison pour Joe ou bien pour... Non, c'était pour Joe. La belle bien. La belle bien. C'est toi qui t'es enceinte. Est-ce que Joe, comme on a grandi ensemble, est-ce que tu m'avais vu que je mettais trop les yeux sur les femmes? Quoi? Ouais, hein? C'est la fatale, c'est qui c'est ça? On change de sujet. On change de sujet. J'espère que la façon de répéter là est simple. Est-ce que je refuse la viande de maman? Est-ce que quelqu'un peut refuser la viande? Quand je donne la viande, tu manges là. Tu vois là. Il y a une fois. Elle avait une gourlabique et ce sucre là, elle était dépassée en âge. Tu sais de qui elle parle? Oui, c'est. Elle était dépassée dehors. Il n'y avait pas demandé ce qu'il a. Il venait. En fait, sa chambre était dans la même maison que celle du père. Il y avait deux maisons. Il y avait la cuisine de l'autre côté avec les chambres des filles en bas. Marius, maintenant, elle fait sa chambre sur la maison où il y avait pour le père. Il a mené maintenant la fille à l'intérieur. Peace! Le père maintenant descendait déjà à l'Amérique. Mais bon. On met mourir l'homme qui est pas le père s'en est sorti. À la fouille aussi, là. À la fouille, le bouillie ne t'a pas. Il sort de la maison, il passe devant la chambre du père de Marus. Il vient toquer à la porte de la maison. Mais bon, on va mieux mourir l'homme qui est pas du tout. Ceux qui n'ont pas blessé le père de maman. Le père n'a pas dormi la nuit. Donc vous savez qu'on va retirer. Le père de si lui il va directement va savoir pourquoi il vient dire. Oui. Donc maintenant ils vont prendre le pousser. Il faut qu'on retourne pour. Ouais. Pour le petit maintenant, il dit quoi? Il dit est-ce qu'un homme doit avoir un ami bessif, une fille bessif? Bon, maintenant, je voulais qu'on situe le clan d'âge. Voilà. Je veux qu'on situe. Mmh. Parce que lorsqu'un enfant porte encore la tenue, déjà de 6e jusqu'à terminale. Mmh. Bon, généralement, 6e jusqu'à terminale, les garçons n'amènent même pas leurs amis filles à la maison. C'est à partir de la classe de 3e jusqu'à terminale que tu peux voir ça. Quand on est en train d'apprendre de maman, on est en train d'apprendre l'ami garçon, ami fille. Donc l'autre là. Je ne suis pas d'accord. Mais ils sont en train d'apprendre, non? C'est qui est sûr, même si ce ne sont pas les leçons, ils apprennent. Bon, ça dépend des concepts. Ça dépend des concepts. Écoute. Moi, s'ils ont trois, ça passe. Moi, par exemple. Mais deux. Deux, je dis que, mais est-ce que c'est. Écoute, moi, par exemple. Maman, est-ce que c'est. Moi, je dis la même chose que vous. Ça veut dire qu'ils peuvent être en train d'apprendre autre chose que les leçons. Oui, mais ils vont quand même apprendre. Tout ça, c'est toujours apprendre. Voilà. Donc, ils sont en train. Donc, ça veut dire. Pas laisser votre fille ou votre garçon avoir un ami du sexe opposé. Non, à la maison. Ah, bon. Et le même sexe, c'est encore, c'est trop régulier. En fait, bon, je ne te coupe pas vite. Vas-y. En fait, tout dit vrai, que ce soit ma fille, que ce soit mon garçon, si vous êtes déjà au lycée et que vous venez apprendre à la maison, il faut que vous soyez trois pour que ça passe. Soit deux garçons, une fille, soit deux filles, un garçon. Pour que ça passe, parce que je sais que. Quand il y a déjà trois personnes, le secret ne peut plus être trop conservé. Il le fait à trois. Non, je ne refuse pas. Il peut apprendre les leçons à trois, tu veux un peu, non? Mais quand c'est trois personnes, il y a toujours un déclic. Parce qu'il y a toujours un côté où ça pèse et pour finir, vous en rendez compte. Il check, il va dire bien. Ou bien un moment, tu vas attendre, il dit trois. Ils sont maintenant que deux. Tu vois un peu, non? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, si tu vois une relation de trois personnes tenir pour longtemps, c'est qu'il n'y a rien de suspect au milieu. Bon, moi, je peux répondre à cette question-là. Je réponds à sa question. Pour moi, mon fils, dans la génération d'aujourd'hui, à 19 ans, je ne constate pas qu'une femme vient chez moi. Je vais aller à l'hôpital.
Non, le monde est devenu tellement mauvais que si tu as même ta fille, mm-hmm. elle n'amène que les filles chez toi. Tu ne vois jamais te cacher avec un garçon. Réfléchis. Oui, parce que de nos jours, tu as dit que je préfère même que ma fille à 16 ans, un jour, elle fuit avec un homme. Avant de revenir, mais que je sache que c'est à cause d'un homme qu'elle fuit et non à cause d'une femme. Et pour mon fils, non, même si c'est à 20 ans que tu apportes la grossesse, c'est pas toi qui es enceinte, tu continues l'école et tu dis que l'enfant. Non, ma parole est parce que de nos jours, le monde est tellement devenu mauvais que un garçon et un garçon. Moi, je constate que mon fils ne marche qu'avec les garçons. Je dois vérifier ce qui ne va pas. Exactement. Là, il faut dire que mon fils doit savoir. Que, aussi. Oui, à un certain âge, il doit savoir que c'est l'homme et la femme. La tête de l'enfant qui sache que l'homme, un homme à l'avenir doit avoir une femme. Et une femme à l'avenir doit avoir un homme. Est-ce que tu sais que j'ai couru derrière... Est-ce que tu sais que j'ai couru derrière mes enfants quand ils étaient plus petits que Nous, on était guéris depuis. J'ai attrapé celui-ci avec une femme. Maman, tu me parles comment? Non, mais on a un bébé, non, maman? Maman, il faut qu'il y ait un bébé. Le jeu. On appelait ça papa et maman. Le jeu. Si tu as grandi sans essayer ça, ça veut dire. C'est que tu veux que tu On disait souvent qu'on va faire papa et maman. Jusqu'à nous, les jeunes filles, on cuisinait même. Et les garçons jouaient souvent les beaux gosses. Les policiers et bandits. Ouais, les policiers et bandits. Les casse-casse. Tu dis ça, les fois. À cet instant, ils ne reconnaissent, ils ne connaissent pas la sensation qu'une personne adulte ressent. Oui, ils sont seulement intéressés. Tu veux ta voisine en disant que ta femme. Moi j'ai dit que pour mon fils. Bon, maman, je vais demander tout. Je n'ai pas mal de problèmes. Tu as vu comment les Marius, les Marc, ils ont amené les filles à la maison. Non, moi j'ai pas amené. Gabi était grand, il était le seul homme beau et courageux dans notre secteur. Il y avait Gaël, il n'avait pas besoin d'amener un nom. Parce qu'on le faisait venir là-bas. Tu connais le Donc, bon, maman, non, c'est pas ma question. Calmez-vous un peu, non? Moi, je veux dire que maman et maman, ça t'a pas inquiété de ne pas me voir avec une fille à la maison? Ou bien, quand tu es parti avec elle, quand tu es parti à l'université, non? À l'université, tu t'as pas inquiété que même. Bon, qui n'a jamais amené une fille à la maison? Oui, que même. Non, c'est pas qu'il croyait qu'elle ne savait pas. Non, la chapelle. Que tu n'as pas amené une fille dans la chambre que... J'ai voulu mise pas plutôt au lycée. À l'université. Ah bon? Oui. Maintenant, comme lui était loin à IUT et j'étais à la maison avec Miss Fa, le message passait par moi. Parce qu'avant, il n'y avait pas les téléphones, les trucs, parce que le message passait par moi. Tu vois un peu, non? Mais il était allé à lui, mais c'était mauvais là-bas. Maman, tu ne t'es pas inquiété du fait que bon, tu n'es pas vu ton fils avec. Je pourrais faire un roubino, ma. Non, le problème est que déjà, étant un bébé, tu as prouvé à papa. Quel est le bébé, maman? Elle me dit que mais. Tu lui as déjà prouvé. Tu connais déjà le chemin de la vie. Ma, pour conclure, elle dit que si tu vois ton grand frère, elle dit que mon ami, quel? Non. C'est pas une fille.